光、生存、来た。それでも何とかしてキャプテンと合流するんだ。おう。Marshal Dittich, dit Barbe Noire, est devenu le pirate le plus dangereux du monde grâce à son fruit du démon, lui octroyant sûrement trois cœurs, lui permettant de tuer Trafalgar dit Waterloo pour récupérer ses rods ponéglyphes. Sauf si quelqu'un se met en travers de sa route. Après plus de 15 ans, il est l'heure pour Shanks le Roux et Barbe Noire de se retrouver dans la saga finale de One Piece. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero et voici Kitaro. Bienvenue pour l'analyse complète du chapitre 1063 de One Piece. Quel virage sect ! Personne ne s'y attendait, vous ne pouvez pas vous y attendre et Shiroda lui-même ne s'y attendait pas. Barbe Noire est décidément le personnage le plus dangereux du manga puisque même les fans ne peuvent s'attendre à ses apparitions. Depuis la fin de Wano Kuni, Shiroda a passé une vitesse cric cric boum boum et il bombarde. On a ici l'intervention d'un des personnages les plus craints du manga en pleine aventure des Mugiwara et c'est totalement inattendu. Alors forcément, dinguerie sur dinguerie, si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez connaître tous les secrets sur Barbe Noire, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification pour nous encourager. Mais surtout, balancez un maximum de pouces bleus car à partir de 30 000 pouces bleus, l'eau a peut-être une chance de gagner. Alors je vous en prie, sauvez-le. Oui, c'est du chantage affectif. Vous êtes prêts? Il est l'heure de parler du tout dernier duel des Mugiwara contre l'équipage de Barbe Noire dans One Piece, de la découverte de l'eau sur l'anatomie de Barbe Noire et la révélation sur ses pouvoirs, et enfin du seul capable de sauver la situation, Shanks le Roux. です。世の光たちよ、我らのネットワークノード VPN で自由を謳歌しようではないか。このアプリケーションを電電虫にダウンロードすれば、世界政府に捕まることなく自由にネットサーフィンできる。このアプリは現在未だ自由な60カ国で利用可能である。ゴールディ・ロジャーのようにワンクリックで世界を旅してみたまえ。レッドラインのことなど忘れ、人生の境界を崩そうではないか。グランドラインからイーストブルー、和の国までの全ての海のコンテンツを楽しんでくれ。ワンクリックで場所を変え、忘れ去られたウェブの真実の物語を発見するのだ。日本、アメリカ、オーストラリアのネットフリックス映画カタログを見て、モンキー・ディ・ドラゴンの息子、そう、我々のリーダーの冒険を見つけ出し、運命を決めるのは君次第。
完全に入手可能である。君の人生は君の手の中に。説明欄のリンクをクリックして世界を変えてくれ。ノード VPN は30日間返金保証を提供する。デジタル革命はノード VPN にて進行中だ。Jewerly Bonnie, nouvelle waifu de son auteur, est une princesse. Littéralement, vu qu'elle est la fille d'un roi. Kuma, souverain de Sorbet, n'a de tyran que le nom, et nous pouvons l'observer ici pour la toute première fois en forme humaine, avant d'être modifié par le professeur Vegapunk pour faire de lui un cyborg. Une relation père-fille magnifique, mais surtout très palpable, grâce à la relation que le mangaka entretient lui-même avec ses enfants. En effet, lui aussi totalement gaga de ses deux filles, Eiichiro Oda regrette souvent de ne pas les voir grandir et comprend donc tout naturellement l'importance de cet amour sacré qu'il avait déjà retranscrit chez Kiros et Rebecca. Alors que Bonnie était jusque-là un personnage anecdotique et même antipathique, on va pas se le cacher, on en avait rien à faire, jusqu'à ce que cette page intervienne. En une page, une seule page, tout change. Eiichiro Oda, qui avait avoué avoir recommencé encore, encore et encore le visage de Vivi en pleurs jusqu'à ce que lui-même à son tour se mette à pleurer, est un maître pour retranscrire les émotions de ses personnages, et plus particulièrement la femme. Que ce soit Vivi, Robin, Iori puis Bonnie, le maître très empathique excelle en dessinant le visage de jeune femme au bout du rouleau. Angoisse, désespoir, tristesse et rage, tout est parfaitement illustré. Et alors, il nous tarde de découvrir enfin le personnage le plus énigmatique de One Piece. Ses motivations, son plan, mais surtout son amour pour sa fille. この閉ざされた檻の中で一生を終える夢なき囚人ども。À la tête de milliers de pirates, voici l'avènement de la flotte des titans, commandée par l'empereur Marshal Ditich, qui, à la recherche des rods poneglyphes, se rapproche petit à petit du One Piece, et donc de son affrontement contre Monkey D. Luffy. En effet, cherchant depuis le départ les plus puissants fruits du démon, l'équipage de Barbe Noire, tout comme les Mugiwara, est aujourd'hui composé d'un capitaine et de ses 9 lieutenants. 10 contre 10, des combats où chaque fruit du démon sont parfaitement sélectionnés pour rencontrer un Mugiwara précis. D'un côté les ténèbres et son obscurité, et de l'autre le dieu du soleil et sa lumière. Si Luffy et Barbe Noire sont destinés à s'affronter, c'est également le cas de leur commandant. Ainsi, il est maintenant possible de deviner quel titan affrontera quel Mugiwara à la fin pour devenir l'équipage du roi des pirates. Car vous êtes prêts? Voici venir les tout derniers duels de l'équipage au chapeau de paille. Jesus Burgess versus Frankie. Que ce soit par sa ceinture ou son masque de Lucador, Jesus Burgess, véritable colosse, est inspiré des plus grands catcheurs, allant jusqu'à devenir le boss du ring à Dressrosa. Ainsi, l'une des prises les plus utilisées au catch est le suplex, qui consiste à projeter son adversaire à terre sur le dos, le cou ou les épaules. Et savez-vous qui l'utilise ? Franky. Oui, que ce soit à Wano Kuni ou Dressrosa, Franky se sera lui aussi démontré comme un immense lutteur qui devra faire face à son plus grand challenger. En effet, ayant dévoré le Liki Liki no Mi, fruit de la force, Jesus Burgess est devenu un homme capable de soulever des montagnes entières. Littéralement, faisant du match de Cutie Flame contre Jesus Burgess le duel entre la force organique de l'homme et la force mécanique de ses inventions. Nami contre Katarina Devon. Au XVIIe siècle, de nombreuses femmes furent exécutées pour sorcellerie dans le comté du sud-ouest de l'Angleterre, appelé le Devon. Ainsi, la chasseresse de la nouvelle lune possède un passe-temps bien particulier. En effet, crainte de toutes les femmes, la passion de Katarina Devon, véritable sorcière, est de décapiter et collectionner les têtes des plus belles femmes. Alors forcément, qui de mieux que le minois de Nami, considérée elle-même comme une sorcière car capable de modifier le climat, pour devenir le clou de sa collection. Ayant échoué à couper celle de la plus belle femme au monde sur Amazon Lily, Katarina Devon pourrait se retourner vers la navigatrice des Mugiwara pour obtenir son nouveau trophée. Grâce au pouvoir du Inu Inunomi modèle Kyubi, l'unique femme prisonnière d'Impel Down est désormais capable de se transformer en d'autres personnes suffisamment crédibles
pour tromper n'importe qui. Alors, sorcière contre sorcière, un combat d'apparence pourrait avoir lieu entre celle qui peut changer de forme et celle qui peut changer le climat. Doc Q contre Tony Chopper. Malade depuis sa tendre enfance, la faucheuse est aujourd'hui plus contagieuse que jamais. En effet, ayant ingurgité le Shikunomi, fruit de la maladie, c'est dans une parfaite ironie que Doc Q devient l'unique médecin au monde capable de transmettre n'importe quelle maladie à ses patients. Un pouvoir qui ne semble avoir aucune limite, pouvant aller jusqu'à infecter ses victimes, les rendant malades et pouvant même jusqu'à changer leur sexe, rappelant le fruit des hormones d'Imperio Ivankov. Ainsi, médecin contre médecin, Doc Q devient tout naturellement le némésis de Tony Chopper, lui-même inspiré de la légende canadienne du Wendigo, créature mi-serre mi-humaine capable de transmettre à l'homme la fièvre Q. Le rêve de Chopper étant de trouver un remède capable de soigner toutes les maladies au monde, cela tombe bien, la faucheuse en a le pouvoir, car au final, le seul moyen de guérir toutes les maladies qui existent est de vaincre le médecin capable de toutes les créer. Zoro contre Shiryu. Véritable sociopathe, l'ex-directeur d'Impel Down est cruel et sans pitié. Maniant avec perfection son Meito, le Nodashi Ryu, classé comme une des meilleures lames au monde, il est le seul commandant de la flotte titanesque à maîtriser le katana, le dirigeant donc naturellement vers Roronoa Zoro. Alors que Shiryu était déjà présenté comme très discret et sournois en tuant des gardes d'Impel Down sans être remarqué, l'auteur décida de lui offrir un pouvoir qui lui convient à la perfection, celui du Suke-Suke-Nomi, lui permettant de devenir invisible et donc de surprendre tout épéiste aguerri. L'attaquant donc par surprise comme un lâche, Roronoa Zoro pourrait être touché à son œil droit par Shiryu, le rendant totalement aveugle et l'obligeant comme Fujitora à se battre grâce au haki de l'observation. Car ne pouvant de toute façon pas voir Shiryu invisible, il pourrait sentir son aura comme arrive à faire le tigre violet, pourtant totalement aveugle, jusqu'à offrir au lecteur l'un de ses plus grands fantasmes, en ouvrant à la toute fin de son combat son œil gauche, surprenant ainsi Shiryu qui le croyait borgne et gagner son duel. Van Augur versus Usopp. Dans la Rome antique, les augures étaient des prêtres chargés d'interpréter les phénomènes naturels considérés comme des présages divins. Ainsi, quoi de mieux pour un augure que d'interpréter le message d'un nouveau dieu? Sniper contre sniper, Usopp et Van Augur sont destinés à s'affronter et cela depuis plus de 20 ans lors de leur toute première interaction indirecte au chapitre 222 sur Jaya. Possédant un calme et un sang-froid exemplaires, Van Augur possède toutes les qualités pour maîtriser le haki de l'observation énoncé par Katakuri et surtout est le total opposé d'Usopp, paniquant lui à chaque combat. Ainsi, pour battre Van Augur, Usopp devra faire preuve de sang-froid, un exploit qui l'effleura à Dressrosa, lui permettant déjà à l'époque d'éveiller un haki de l'observation inédit. Capable aujourd'hui de se téléporter grâce au Wapu Wapu Nomi, Van Augur devient un sniper quasi invincible, car alors que personne ne pourra deviner sa position, lui pourra deviner celle de tout le monde, obligeant Usopp à se surpasser et affronter son ennemi les yeux fermés, pour deviner son aura comme son capitaine l'a pris avant lui face à Katakuri. Le tout pour deviner ses prochains mouvements et ainsi voir dans le futur. Jinbei versus Sanwan Wolf. Mesurant 180 mètres de hauteur grâce à son fruit du démon, il est l'être humanoïde le plus grand du monde. Aucun bateau ne pouvant le transporter, il est donc obligé de suivre son équipage à pied dans l'océan, faisant de lui un homme navire que le monde surnommera le cuirassé géant, le navire de guerre colossal ou encore le destroyer. Alors, parce que l'océan est sa maison, Sanwan Wolf devrait sans aucun doute affronter le paladin des mers sur son propre terrain. Un gigantisme assumé qui rappellerait celui de Wadatsumi sur l'île des hommes-poissons. L'auteur avait déjà à l'époque donné à Jinbei la tâche de se débarrasser d'un Umibozu, yokai humanoïde gigantesque du folklore japonais errant dans les océans exactement comme Sanwan Wolf. Robin versus Avalo Pizzalo. Son fruit du démon restant toujours inconnu, Avalo Pizzalo était cependant un ancien roi dont les crimes étaient si atroces qu'ils durent être effacés de l'histoire. Une censure qui va à l'encontre de tout ce que défend Nico Robin.
la mémoire. Inspiré du conquistador espagnol Francisco Pizarro, connu pour avoir emprisonné et condamné à mort l'empereur Inca Atahualpa, et donc condamné toute une civilisation antique, le roi dépravé fera sans aucun doute la rencontre de celle qui défend l'histoire, et surtout l'ancienne civilisation de son propre monde. Archéologue contre conquérant, un combat idéologique qui ne peut avoir qu'une seule issue. Sanji contre Lafitte. Aimant faire des claquettes et capable de voler en se faisant pousser des ailes blanches dans le dos, le shérif démoniaque, haut de ses 3,40 m, est le membre d'équipage possédant les plus grandes jambes parmi ses camarades titanesques. Ange contre démon, un combat aérien est donc très attendu entre Sanji et Lafitte, tous deux capables de se déplacer extrêmement rapidement et dans les airs. D'autant plus que Lafitte est inspiré du pantomime, qui est, après un art antique, devenu un genre théâtral français très répandu suite à l'influence de la Commedia dell'arte italienne et de son personnage d'Arlequin. Il va sans dire que Sanji, séducteur, gentleman et grand cuisinier, est avant tout inspiré de la nationalité française. Ainsi, le pantomime et ses gestes angéliques face à la gastronomie et ses palettes à la diable, Eiichiroda pourrait nous offrir un duel bien baguette, bien croissant, bien omelette du fromage. Vasco Shot versus Brook. Bien que rien ne lie encore les deux personnages entre eux, par élimination, le fredonneur devrait affronter l'ivrogne, et il faudra attendre d'en savoir un peu plus sur la personnalité de Vasco Shot et surtout son fruit du démon pour établir la mécanique de combat que souhaite créer Eiichiroda pour l'ultime combat de Brook. Mais d'un autre côté, les deux ayant de longues jambes et surtout une canne, Brook pourrait également affronter Lafitte, permettant un combat intéressant entre la musique de Soul King et le silence du pantomime. Stronger versus Pierre. Resté dans l'ombre bien trop longtemps, il est la personnification même de l'abnégation, car bien que souffrant, il n'hésite pas une seule seconde à porter sur son dos malade son cavalier, lui aussi très faible. Faisant de Stronger le plus fort, mais surtout le plus fidèle des destriers, et parce qu'il n'était pas encore assez parfait, voilà que le plus important canasson du Nouveau Monde se voit pousser des ailes grâce au fruit du démon Zoan du cheval modèle Pégase, lui permettant ainsi de reposer ses gracieuses jambes d'étalon, mais créant cependant une terrible concurrence avec le deuxième équidé volant de la série, Pierre, oiseau et monture du dieu de Skypea Gunfor, devenu Pégase avant lui grâce au fruit du cheval. En effet, si aujourd'hui nous avons un cheval qui se voit pousser des ailes, avant c'était un oiseau qui se voyait pousser des sabots, d'autant plus que les deux ont pour nourriture préférée les carottes. Aïe 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 aïe, un combat plus attendu que Zoro Mihawk. Marshall D. Teach est le personnage le plus dangereux de tout One Piece, et Eiichiroda aura réussi à faire cela depuis 20 ans en faisant en sorte que le personnage de Barbe Noire gagne absolument tous ses combats, ou du moins qu'il ne perde jamais de toute sa vie. Que ce soit contre Satch, contre Ace, contre Barbe Blanche, certes lâchement, puis plus tard contre sa flotte durant la guerre de la vengeance, puis plus tard encore sur Baltigo contre les révolutionnaires jusqu'à Bo Hancock sur Amazon Lily, Barbe Noire réussit absolument tout ce qu'il entreprend. Et alors, lorsqu'il se retrouve face à notre cher Trafalgar dit Waterloo, on ne ressent que une seule chose, la crainte. Ainsi, on remarque un pattern très intéressant chez Barbe Noire qui sélectionne précisément ses cibles et surtout sait exactement quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Pourquoi Barbe Noire est inarrêtable? Parce que c'est un véritable pirate et que donc il sait aussi bien attaquer que fuir. On l'a vu à Marineford détruire le QG de la marine, mais fuir devant Shanks le Roux. On l'aura vu kidnapper Diwali Bonnie, mais fuir devant Akainu. On le verra plus tard sur Baltigo détruire le QG des révolutionnaires, mais fuir devant le CP0. Et enfin, sur Amazon Lily, mettre à mal l'impératrice Kuja, mais fuir devant les Séraphins et Silver Riley, qui lui-même avait déjà dit craindre de ne pas pouvoir gagner face au potentiel de Barbe Noire. Alors avec cela en tête, on se dit que c'est impossible pour l'eau d'échapper à la mort et d'échapper à la défaite, et ça fait quand même super badé. Et je
Ichiroda est en train de dessiner un dilemme cornélien de malade vis-à-vis des fans. On a d'un côté celui qui ne peut pas perdre, et puis d'autant plus que l'apparition de Barbe Noire dans le manga, si c'est pour qu'il se fasse battre par Trafalgar D. Waterloo qu'on a vu depuis maintenant 8 ans, ça suffit. Et pourtant, d'un autre côté, on a un des fans favorites absolus, et on voit pas Law pouvoir perdre comme ça, d'autant plus avec la confiance qui l'accompagne en cette fin de chapitre. Alors forcément, avec cette fin de chapitre et l'attaque de Barbe Noire sur Law, on peut pas s'empêcher de penser à son reflet pré-ellipse, et donc de l'incident de Banaro et la défaite de Port Ghazdi Ace face à Barbe Noire. A l'époque, cela avait créé un incident sans précédent, car retenez bien que lorsque la volonté du dit s'affronte, les conséquences sont internationales, elles sont mondiales. La première occurrence était il y a 38 ans à God Valley, lorsque trois porteurs de la mystérieuse initiale, Garp, Roger et Shebek, s'étaient foutus sur la gueule, ça avait fait disparaître une île, ça avait fait disparaître un repère du gouvernement mondial et de ses dieux les dragons célestes, et surtout l'anéantissement total d'un des plus grands pirates de l'époque, de son équipage légendaire des Rocks. Le deuxième incident, qui aura convoqué lui deux porteurs du dit, Marshall D. Teach et Port Ghazdi D. Ace, aura tout simplement été l'élément déclencheur de la plus grande guerre au sommet de Marineford, qui aura, oui, fait en sorte que le monde change d'air. Du coup, pour la troisième fois du manga, la volonté du dit s'affronte, même s'il y avait eu Luffy contre Barbe Noire à Impel Down, mais c'était une petite parenthèse. Ici donc, on a le même schéma que Banaro, avec premièrement les commandants titanesques qui vont attaquer leur cible, avec même Burgess qui à l'époque lançait une maison, ici on a Burgess qui lance une montagne, et enfin l'apparition du capitaine qui dit « les gars, je m'en occupe ». Du coup, est-ce que, comme il y a 15 ans avec Banaro, nous aurions droit à un diptyque, avec la semaine prochaine, la suite, mais surtout le dénouement du combat. Concernant les dessins, on retrouvera une mise en scène typique d'Oda. C'est absurde, totalement délirant, et pourtant ça marche. Barbe Noire arrive dans les airs en écrasant Stronger et Doku, mais il est pourtant très charismatique. Du Oda tout craché. Également, on remarquera que depuis que Sabo lui a fondu le crâne à Dressrosa, Burgess porte un nouveau masque, cette fois en fer. Mais ce qui va être fascinant dans ce combat, c'est que Law va pouvoir étudier le corps de Barbe Noire. En effet, Law, grâce à son fruit du bistouri, a pour habitude de pouvoir pénétrer le corps de l'intérieur de ses adversaires, les opérer de l'intérieur. Et ça, ça fait mal quand on sait que Law a carrément essayé de trouver le cœur même du dragon Kaido. Grand chirurgien, Law cherche avant tout à cibler les points vitaux. C'est pourquoi désormais il connaît carrément l'anatomie du dragon. Alors pourquoi est-ce qu'il ne trouverait pas quelque chose d'intéressant dans celle de Barbe Noire? En effet, Marco le disait déjà à Marineford. Lorsque celui-ci a récupéré les pouvoirs de Barbe Blanche, le phénix s'exprimait « Teach a toujours eu un corps différent ». Est-ce qu'on n'aurait pas enfin la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas la vérité sur ce Jolly Roger qui ne présente pas qu'une grosse tête de mort, mais bel et bien trois? En effet, Barbe Noire a toujours été liée au nombre de trois. Trois pistolets, ses trois fameuses mèches à sa barbe après l'ellipse des 2 ans, c'est bien lui qui n'a fait non pas une, non pas deux, mais bel et bien trois cicatrices absolument cultissimes sur l'œil gauche de Shanks, ou encore ses trois crânes au lieu de un seul sur son Jolly Roger. Un Jolly Roger, je le rappelle, est avant tout le symbole même d'un pirate, c'est son identité. Le chapeau de paille pour Luffy, les trois crânes pour Barbe Noire. A l'aide de ces techniques phares comme le Gamma Knife ou le Counter Shock, est-ce que Trafalgar D. Waterloo ne pourrait pas essayer, comme il l'a fait à Dressrosa contre Doflamingo, à arrêter le cœur de son ennemi? Cependant, et ici le choc serait absolument bouleversant en apprenant que cela ne marche pas puisque Barbe Noire a en réalité 3 cœurs. Le combat deviendrait une façon très intelligente de nous révéler un énorme plot twist sur Marshall D. Teach. En effet, le plus surprenant et même le plus mystérieux dans tout ça est que Barbe Noire a tout juste récemment une nouvelle prime dans One Piece. Exactement 3 996 millions de berries. Pile poil, un chiffre quelque peu bizarre, sauf si tout simplement on le lit en japonais 3, 9, 9 et 6 San-ko-ko-lo. San-ko-ko-lo, littéralement 3 cœurs. Si l'on mange 2 fruits du démon, l'on meurt. Sur le champ, c'est comme ça, pas de discussion. Pourtant, Barbe Noire est le seul personnage de toute l'œuvre à avoir réussi à posséder les pouvoirs de 2 fruits du démon. Chose absolument impossible, sauf si le tout premier fruit du démon qu'a dévoré Barbe Noire étant petit, était en réalité le Zoan du poulpe. En effet, l'une des caractéristiques de cet animal dans notre monde est tout simplement qu'il possède 3 cœurs. Expliquant les paroles de Marco le Phénix à Marineford, et surtout expliquant la nature du corps de Barbe Noire, sa
faculté à pouvoir ingurgiter plusieurs pouvoirs du démon. Ça fait forcément penser au Kraken, légende maritime qui vit avant tout dans l'obscurité, même dans les ténèbres de l'océan. Quel meilleur animal pour Barbe Noire, pirate avec le fruit des ténèbres, que le Kraken qui vit au plus profond de l'océan. Cthulhu. Chapeau pointu. Une rencontre entre deux porteurs du dit qui aurait pu être prévue depuis bien longtemps. Et la preuve est tout simplement le Jolly Roger d'Edward Teach, le véritable Barbe Noire de notre monde réel qui possédait comme drapeau un squelette pourfendant un cœur. On ne peut que penser à l'équipage de Barbe Noire qui attaque celui des Hertz Pirates, de Corazon et surtout de l'OP Openomi, représenté à la fois ici par le cœur, mais également par le sablier tenu par le squelette représentant lui l'équipage de Barbe Noire. Est-ce que, alors, comme on sait que avant tout Barbe Noire est un chasseur de fruits de démons, il ne serait pas intéressé, après celui du Mélo Mélonomi de Bo Hancock, par le OP Openomi, qui est tout simplement le fruit du démon le plus recherché sur cette terre, et surtout de son opération de jouvence qui permet l'immortalité, représentée par le sablier qui empêche le temps de s'écouler. Barbe Noire deviendrait tout simplement invincible avec un tel fruit, mais il est avant tout intéressé par les Rod Poneglyph. Du coup, parce que tout tourne autour du cœur, Eiichiroda est en train de faire se rencontrer les trois instigateurs de l'incident de Rockyport. Alors que Trafalgar Law venait d'offrir 100 cœurs à la marine pour devenir Shichibukai, il créa un incident sans précédent où Kobe dut sauver toute la population. Si la rencontre de Barbe Noire avec le héros de la marine nous avait appris qu'il avait pris le contrôle de la ruche grâce à sa diversion, il est fort possible que sa rencontre avec Law nous permette de savoir enfin ce qu'il s'est réellement passé il y a 2 ans à Rockyport. Rappelez-vous la fin de Wano Kuni, les trois capitaines de la pire génération partent chacun dans une route et ils avaient choisi à la courte paille celle qui semblait être la plus prometteuse. Cependant, Law, qui semblait être le seul à avoir activé son cerveau, avait remarqué qu'il existait une des trois îles se rapprochant le plus de Law of Tale, le plus du bout du monde, celle qui était naturellement la plus à l'est. Un tour d'avance pour Law qui se transforme en cauchemar lorsque Barbe Noire attendait le premier qui se pointe des trois. Law, finalement, en gagnant à la courte paille, avait perdu à la course puisqu'il est le premier à tomber sur Marshall Dittich. Est-ce qu'il sera le premier à lui livrer tous les Rod Poneglyph qu'il a jusqu'alors? Ou plutôt, est-ce le contraire? En effet, la fin du chapitre suggère également que Barbe Noire possède un Rod Poneglyph, car la réponse de Law au fait que Barbe Noire souhaite les siens est qu'il lui ôte les mots de la bouche et que le gagnant du combat remportera les gains de l'autre, sous-entendant alors que Law serait potentiellement au courant que Barbe Noire possède une des 4 clés pour Law of Tale. Oui, Barbe Noire s'approche dangereusement de la fin du monde, et pour lire les poneglyphes, il avait besoin avant tout de quelqu'un qui puisse les déchiffrer. On vous en parlait la semaine dernière, Aokiji sur Totland est bienvenu pour récupérer Pudding, membre de la tribu aux trois yeux, capable si éveillé de lire l'écriture antique. Mais si Trafalgar Law n'a alors aucune chance contre Barbe Noire, il pourrait conjurer le sort grâce à l'aide, comme Riley sur Amazon Lily, de l'intervention de Shanks le Roux, qui lui est le premier à croire en la nouvelle génération, dont Law fait partie. Rappelez-vous, Barbe Noire à Marineford avait annoncé que l'heure n'était pas encore venue pour eux de se battre, et Shanks, qui a aidé Marco à retourner sur l'île du Sphinx, se trouve donc encore pas très loin de Wano Kuni. Alors, si l'heure n'était pas venue sur Marineford, peut-être qu'elle est arrivée aujourd'hui, et Shanks le Roux pourrait retrouver pour la première et dernière fois son ennemi de toujours, Marshall Dittich.